Eh hey, coucou mes petits trous mignoles, c'est Fouflé, bienvenue sur l'épisode numéro 26. Et ouais, il s'est passé une bonne semaine depuis l'épisode 25, je n'étais pas présent chez moi pendant la semaine, c'est pour ça. Et voici le 26. Nous sommes toujours au Malter, puisque c'est là que nous avons déconnecté la dernière fois, dans la zone d'Andoral. Et là, j'ai vu que je pouvais choisir une récompense de parrainage, je ne me souviens pas avoir parrainé quelqu'un. Donc je ne sais pas, en plus je ne sais pas du tout ce que je choisirai, donc je pense que je vais le prendre plus tard, et puis si jamais vous avez des conseils à me dire telle récompense sera mieux que telle autre récompense, et ben n'hésitez pas, moi je suis pas pressé de la choisir, donc si vous avez votre petit avis à donner sur la récompense à choisir, pas de soucis, je vais en prendre note, et d'ailleurs ça va bien m'aider, pardon, parce que je ne sais pas du tout quoi choisir. Alors, quoi de neuf ? Eh bien, ça fait une semaine, comme je le disais, que je n'étais plus chez moi, mais j'étais reparti en Belgique chercher des affaires. Donc, du coup, j'ai un peu de retard sur World of Warcraft, sur Star Wars The Old Republic et sur Diablo 3. Ouh, rien que ça. Bon, Diablo 3, le let's play marche pas tant que ça, donc du coup, c'est pas urgent si je suis à 2-3 jours près. Mais là, ça faisait une bonne grosse semaine sans World of Warcraft, donc fallait vraiment que je la refasse. Star Wars The Old Republic, pareil, elle va suivre... Dès que celle-là sera publiée, ce sera autour de Star Wars The Old Republic, comme ça vous savez. Un petit coucou à Zaoling, parce qu'en fait là, Frosted, je sais pas comment on prononce, dis-moi Zaoling, comment tu veux qu'on le prononce, bah c'est Zaoling en fait, c'est un de ses rerolls. Donc un petit coucou à lui dans la guilde, pour l'instant il n'y a que lui de connecté. Et puis là, bah on va aller faire sa petite quête, hein, puisqu'on n'avait pas terminé. Donc on va aller voir ça tout de suite, l'éclat de phylactère d'Arrage. Alors, qui est Arrage? Je n'en sais fichtrement rien, mais j'imagine que c'est un monsieur tout méchant. Donc, on va voir ça. Hein. Et puis, comme à l'habitude, ça fait pas très longtemps que je le fais, mais bon, je continue parce que moi, j'aime bien faire des petits coucous aux gens qui font des commentaires sur les vidéos précédentes. Donc, c'est simple, en fait, je prends les personnes qui ont commenté sur la vidéo de la série en question, et je prends la vidéo d'avant. Donc là, je vais sur la vidéo de l'épisode 25 de l'objectif 90 de World of Warcraft. Et c'est parti pour la petite série de coucou. Alors, Valfield, encore un coucou à toi. Zaoling, Quasar, ça c'est des habitués, des piliers de comptoir, comme on pourrait dire. Kiki Cantinou, Camille Lecué, Maxime Pérez, en fait, il y a toujours les mêmes. Sylvain Peck 27, Dodo Kaka, ça c'est pas moi qui ai choisi le pseudo. Il y a qui d'autre? FR Valo The Best, qui me dit vive les Belges. Vive les Belges. Y'a qui d'autre? Seonag Alex. Voilà, ça c'est pour les personnes qui ont commenté. Je me rends compte que c'est souvent les mêmes personnes qui commentent, donc bah c'est bien. Les gens sont fidèles, donc ça fait plaisir, c'est que ça les intéresse de revenir voir la suite. Et puis bah lui bah il est mort, hein. C'était pas très compliqué. Franchement, faire une quête pour tuer ce Gugus qui s'est désintégré sous nos yeux ébahis, bah oui. Parce que Fouflé il est fort. Il est fort, mais il est pas si bien équipé que ça, Fouflé, puisqu'on m'a fait la remarque que je faisais pas de gros dégâts. Mais bon, je suis en leveling, donc je m'en fous de mon équipement en leveling, c'est pas gênant. De toute façon, je vais pas le garder très longtemps. Il ripop vite! Vite! Allez, cours, fuyez, pauvre fou! J'ai pas envie de le retuer une deuxième fois, donc je vais y aller en courant. Pendant que je m'enfuis, une petite gorgée de coca, ça fait de mal à personne. C'était le fond de la canette, il pétillait pas beaucoup. Bon, c'est pas grave. Allez, zou, continue. En plus, on est bientôt au level up. Enfin bon, oui, il y a encore quelques bulles. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Encore 5 bulles et puis quelques millimètres de l'autre. Normalement, si je ne m'avance pas trop, je pense qu'on devrait prendre ce petit level ensemble pendant cette vidéo. Donc on serait level 36 à la fin de la vidéo. Ce serait donc formidable. Nous apprenons aussi que pour Zaoling, le soir, c'est 15h30. Pourquoi pas? Ok. Et puis on va rendre cette petite quête aussi. Je t'ai pas mis... Oui, c'est pas grave, Zaoling, si j'ai pas des gros grades dans la guilde. De toute façon, je suis pas là très souvent. Donc il n'y a aucun problème, je ne le prends pas mal. C'est même normal que j'ai pas plein de droits, puisque je suis pas là très très souvent. Bon, on va dire que je suis là une fois par semaine. C'est très peu. On va fumer une petite cigarette. Allez, j'ai perdu mon briquet. Non, c'est bon, il est là. Et je dois aller au camp de Norroy. On va y aller direct. Oh, il peut pas dépop de la monture tout seul, hein. Non, ça c'est trop demandé. Allez, Zou, c'est parti en griffon et moi j'allume ma cigarette. Voilà, ça c'est fait. Il y avait plein de choses à récolter sur le chemin. En plus, je pense, à mon avis, j'ai pas le niveau pour récolter tous les minerais et les plantes qui sont dans le coin.
peut-être une ou deux variétés, mais en tout cas, je pourrais pas tout récolter, ça c'est sûr, j'aurais pas le level. Excusez-moi de tousser. Le crépuscule, j'en sais fiche, rien à quelle heure il serait pour toi. Parce que si à 15h30, c'est le soir, le crépuscule, c'est le coucher ou c'est le lever? Crépuscule, lever ou coucher, je ne sais pas. Là, j'avoue que j'ai un trou de mémoire là tout de suite. Le crépuscule, est-ce le matin ou est-ce le soir? Je ne sais pas, dites-moi. Allez, la victoire pour un temps. On termine la quête et on doit aller chercher des plumes, 9 plumes brunes. Et puis des gigues d'ours. Je ne sais pas ce qu'est une gigue d'ours, mais en tout cas, ça se trouve sur un ours. Ça, c'est sûr. Ici, il n'y a pas de marchand. Ici, il y a un marchand. Allez, on va réparer. Comme ça, ça s'est fait, même si c'est pas utile. On va vendre la petite robe. Ça, c'était pour une quête. Mais à mon avis, c'est une quête que j'ai abandonnée. Je ne sais pas. Faudra que je vérifie ce que j'ai dans mes sacs. Le nectar, au revoir. Le collier, au revoir. Oui, au revoir. Voilà. Et puis c'est bon. Hein. Il y a pas mal de minerais de plantes qu'il faudra que j'aille mettre à l'hôtel des ventes. Ça, en général, je le fais hors caméra. Parce que bon, me regarder chercher des prix et puis taper des prix, c'est pas exceptionnel. Donc ça, je le fais tout seul, dans mon coin, comme un grand monsieur. Ah, des plumes de plumes brunes. Donc elles sont sur le sol. Je pensais à la base que j'aurais dû tuer des bestioles. Mais non, elles sont sur le sol. Bon, c'est pas grave, hein. Ça sera un petit peu moins d'action, tant pis. Hop. Allez, tout de suite la suite. Il y a un truc à récolter juste ici devant moi à 10 mètres, aveuglette. Est-ce que j'ai le level pour l'aveuglette? Suspense. Ouh, bah vu comment c'est écrit en rouge, non, c'est même pas la peine que je descende. C'est pas grave. Et ici, j'ai vu un ours. Et c'est sur lui que se trouve la gigue. Alors, il va me donner sa gigue, ce sera bien gentil. Et puis je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un morceau de viande? Est-ce que c'est un os? Un œil? Un organe, quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'une gigue, les amis? Oh, bah il est mort. En tout cas, il en avait pas sur lui. Donc ils n'ont pas tous une gigue. Et ici, c'est... Cool, une plume brune. Voilà, on est à 2 sur 9. Il y a de nouveau un petit ours. Enfin, il est pas si petit que ça, parce qu'il fait quand même 4 fois ma taille en longueur. Enfin, bref, vous m'avez compris, il est plus gros que moi. Oui, reconnecte-toi sur The Holding, il n'y a pas de problème, Frost. Hop, et un ours de plus de mort. Non, j'ai eu un flancher, par contre. Mais ça me sert à rien. Moustache de... Ah, la moustache. Alors ça, c'est bien. Ça, j'ai le niveau pour récolter de la moustache. Du coup, je peux prendre quelques levels en herboriste. Et ça, c'est vraiment bien. Ah, ça me fait plaisir. Cool, cool, cool. Voilà, Frost s'est déconnecté. Et donc, il va revenir avec Zoli. Allez, l'ours meurt et donne-moi une gigue. Cool, j'ai une gigue. Apparemment, c'est de la peau. Je ne savais pas. Enfin, en tout cas, vu l'icône. Bon, pourquoi je peux pas le récolter? Allez, me dis pas que je vais être des coffres. Pourtant, non. Allez. Allez! Bon, ah bah voilà, nickel. Marie-Lou vient de se connecter. Je pense que Zaoling s'est planté dans son reroll à reconnecter. Enfin, il s'est pris un autre reroll plutôt que de prendre Zaoling. Je me demande combien il a de perso. Dis-moi combien t'as de perso, Zaoling. Les erreurs peuvent arriver, bébé, oui. Mais je vois ça. Mais c'est pas grave. Loli lol. Allez, une deuxième gigue, ça m'en fait 2 sur 5. Un petit soin parce que la vie elle descend quand même mine de rien, on enchaîne, mais la vie elle remonte pas aussi vite. Aveuglette, bon je vais vérifier mais pour moi c'est pas bon. Non on est d'accord, c'est pas bon, faut 235. Maintenant je le sais. Je le sais. Allez un deuxième ours, non ça c'est le enfin il va me donner peut-être la troisième gigue. Ah bah voilà, Zaoning a réussi à se connecter. Ce fut laborieux. Allez. Ouais, il est déjà bourré le petit Zaoling à cette heure-là. Midi 40. Non, mais j'ai eu un flanchet. Mon prochain éclair lumineux sera critique. Ah ok, mon sort de soin quand j'ai ça, il devient critique. Ok. Je ne sais même plus quel passif me donne ce truc, mais c'est pas grave, on va continuer. Ah ouais, plus d'une semaine sans jouer, moi j'ai perdu mes petits repères. Oh, une plume qui se trouve au milieu du chemin, c'est fantastique. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose. Si vous aimez la vidéo, bah faites un petit j'aime. Si vous n'aimez pas, faites un j'aime pas, mais dites-moi pourquoi. Vous pouvez aussi commenter. Les commentaires, c'est fabuleux, j'y réponds à tous. Sauf là, cette semaine où j'étais à Bruxelles. Alors, il se peut qu'il y ait des commentaires que j'ai oubliés. Dans ce cas-là, je suis désolé. Donc, petit abonnement aussi, comme ça, vous êtes tenu au courant des nouveautés de la chaîne. Bah voilà, tout est dit. Il n'avait plus qu'à le faire. Allez, zou, des moustaches. À combien je suis en level d'herboriste?
169, et bah je suis loin des 225. Hein. Allez. Toi, je sens que tu vas me donner une gigue. Oh, je la sens ta gigue. Oh, j'ai grossi d'un coup. Allez, 900 points de vie, 800, 200. Hop. 3 gigues d'ours. C'est cool. Moi, j'aime les gigues d'ours. Alors, par contre, je me rends compte que j'ai eu un souci de son dans mon casque parce que d'un coup, j'ai la musique du jeu qui revient. Je sais pas pourquoi. Donc, j'espère que ça n'a pas merdé le... Les combien on a commenté là, on est à 10 minutes 40, 50 de commentaires. J'espère que ça a pas merdé. On verra. Parce que là, j'ai le retour de la musique de Warcraft qui vient de me revenir à fond dans les oreilles. Ce qui me fait... Ah, bah là je ne l'ai plus. Donc je ne sais pas, j'ai un grand moment de solitude. Est-ce que je commande dans le vent ou pas? Je n'en sais rien. On verra ça. J'en suis qu'à la moitié. Bon, tant pis, c'est pas grave, on va continuer quand même. Allez l'ours noir hirsute. Je savais pas que c'était d'Hirsute, j'avais pas fait attention. Ouais, mais je vais pas faire réparer avec les pièces d'or de la banque, puisque... Bah, j'ai des sous sur moi, donc je vois pas pourquoi ce serait la guilde qui paierait mes réparations de leveling. Donc non, je vais payer avec mes sous. Avec mes propres deniers, ma petite dame. Et je peux faire un retrait d'or de 2 pio par jour, mais je ne le ferai pas de toute façon. On m'a donné des cadeaux, des pièces d'or et tout, donc j'ai pas besoin d'aller tirer dans la guilde pour réparer ou me payer un fly. Donc voilà. Yeah, c'est qui a pris un level? C'est Fouflé, level 36. Et j'ai eu un nouveau sort. Et j'ai accès au H-Trip, quartier de Crochebois. Peut-être que nous irons faire un tour à Crochebois. Et ça interrompt l'incantation de l'ennemi et ça bloque son sort de la même école de magie pendant 4 secondes. Réprimande. Alors, je testerai sur un ours juste pour voir, mais je sais qu'il lance pas de sort, mais juste pour voir à quoi ressemble le sort de réprimande. Oui, bah, il n'y a pas d'effet particulier. Bon, bah, ils sont pas foulés. C'est pas grave. De toute façon, c'est un sort qui rentre dans des conditions bien spécifiques, puisqu'il faut que la personne, le joueur, le monstre d'en face incante un sort. Ok, Zaolink, tu te déconnectes. Et bah, à tout bientôt. Tout bientôt. Ah, j'ai le son qui me revient dans le casque, de nouveau de la musique. Ça bug, hein. J'espère que tout se passe bien du côté du commentaire et du son. Oui, j'ai oublié de me remettre en canal guild et de me mettre en canal officier, désolé. Bon, ça va y avec nous deux en même temps, c'est pas gênant. De la plume brune. Allez, ours noir hirsute. Je veux une... Ah bah non, les gigues, je les ai toutes. Ah bah oui, j'ai tout, j'ai même pas fait attention. Bon bah c'est cool. Ouh, une massue en pierre, pas de pratique. Et on va récolter du fer, parce que ça, j'ai le level nécessaire pour récolter. Et je suis à 100... C'est tout? Oh, j'ai honte. Oh, j'avais oublié que j'étais si bas en level de minage, 107. Bon, bah, je vais pas me plaindre, parce que c'est... je suis déjà content de pouvoir récolter ici, alors. Putain, j'ai que 107. Oh, la vache, la feignasse. Oh, faudrait que je monte mes levels, là, ça va pas du tout, ça. Ce qui va pas non plus, c'est que j'ai fini mon coca. Ah, et puis le son du jeu est reparti dans le casque, je ne l'ai plus. Bon, tant pis. En tout cas, j'entends mon retour de voix, donc c'est qu'au moins ma voix devrait être enregistrée. Cool, un gisement de fer. Ah, ours noir hirsute, il est pas content que je vienne récolter du fer. Bah, on va le tuer, hein. Allez, meurs. Meurs, petite chose. Hop là, voilà. Et c'est bon, il est mort. Et puis moi, j'ai rétréci, comme ça. 1, 2, 3... Je teste parce que je m'entends bizarrement. Ok, c'est bon. Ça, c'est fait. Bon, bah, désolé pour le casque, mais j'ai des soucis de casque, là. J'espère que ça va aller. Et du coup, ça me turlupine l'esprit et j'ai l'esprit ailleurs. Et ça, c'est pas bien pour commenter si t'as l'esprit ailleurs, Fouflet. Allez, récolte ton petit minerai, là. Voilà, on est à 109. Ça, c'est bien. Invocation cheval de guerre. Et c'est parti. Nous retournons au camp. Puisque j'ai des quêtes à valider, des quêtes à rendre. J'espère que j'aurai des beaux petits items de récompense de quêtes. On va voir ça. Dès que j'arrive à passer ça. Ah, bah j'ai aggro de l'ours noir hirsute. Donc on va courir. J'ai pas envie de me les faire là. Je pourrais. Oui, ça va aller. Ça pourrait aller vite, mais j'ai pas envie de me les battre. De me fighter avec. Normalement, ils devraient reculer tous. Allez, le deuxième. Voilà, c'est bon. Et comme ça, je peux rendre tranquille mes quêtes. Ça, c'est les gigues d'ours. Ah, bah des récompenses, c'est cool. De la maille. Endurance, intelligence, hâte. Ouais, je sais pas. Ah, je sais pas quoi prendre.
Gilet de fermier. Par contre, ici, il y a de l'agi, il y a de l'enduit et du touché. Mais c'est du cuir. Je pense que je vais prendre ça. Même si c'est du Bon, cuir, ça je perds un peu putain. d'armure, mais je gagne de l'agilité, du toucher et mon endurance, c'est la même. Donc, Nous avons allez, besoin de quelque l'un dans chose. l'autre, ça devrait aller. Pour Bon, bah, ici, l'alliance. c'est un peu d'argent. Et maintenant, je dois rentrer dans le tombeau Nous sommes prêts. d'Uther. Okay. Oh, puis il y a encore une petite quête à prendre ici, je ne l'avais point vue. Honneur au roi. Honneur au roi si tu veux. Bon Honneur à vent. moi, c'est encore mieux. J'ai pas oublié de petite quête ici. Non, visiblement c'est bon. Toi, je vais vendre quelques petites bidulettes. Un arc composite. Une masse en pierre. Ça, je garde, c'est pour une quête. Il y a quoi d'autre à vendre? Ah, la clé mort large. Puis il y a de la babiole, mais. Ah, un grand croc d'ours. Bon, allez, c'est pas grave, j'ai encore de la Prenez soin place. de vous. Et on va aller faire la suite des quêtes. Donc, il me faut faire une bénédiction d'Uther. Ça, c'est là. Et ceux qui s'éternisent, je dois libérer des âmes recluses. Bah, à quoi ressemble une âme recluse? Je ne sais pas. J'imagine un petit fantôme. On va voir, hein. Ils sont pas très très loin. Là, nous sommes dans la colline des chagrins. Eh bah, pète-toi l'exomile, hein, pour jouer ici. Colline des chagrins, me voici. Où sont-ils? Ah, bah, ça doit être ces bibiches bleues là. Coucou les âmes recluses, c'est Fouflet, je viens te dérecluser. Je sais, ce mot n'existe pas. C'est pour ça que tu me traites d'imbécile, mais dis donc. Mais non, je réfute ces accusations. Allez, meurs, petite âme recluse. Que tu me valides 1 sur 12, voilà. Oh, c'est radin, ça donne même pas de butin. Est-ce qu'il y en a ici dans le coin vers cette petite maison? Je sais pas, mais j'aimerais pas habiter là. En plus, j'ai vu que les toilettes étaient dehors. Bah, bonjour ton stress quand tu vas pisser en pleine nuit, hein. Côté du cimetière, au milieu des fantômes. Faut avoir envie de pisser, hein. Ah, cool, ça l'a libéré tout de suite. Donc 2 sur 12. Oh, elle s'envole, c'est mignon. Ici. Idem, 3 sur 12. Allez, on va dire que celle-là aussi, elle va se libérer tout de suite et toute seule. Non. Imbécile, me dit-elle. C'est pas très poli, une âme recluse, hein. Allez. Et voilà. De toute façon, elle est libérée. Qu'elle le veuille ou non, Fouflet te libérera. Allez, celle-ci, est-ce qu'elle va se libérer toute seule comme une grande? Non. Humain inconscient, vous allez payer cette interruption. Bah, je suis pas inconscient. Moi, il y a une dame qui m'a demandé de vous libérer. Je vous libère. Je suis payé pour ça. Allez, 444 XP. Et puis vous l'avez vu, je vous l'avais dit qu'on allait prendre le level ensemble. Je l'ai pas redit, mais oui, enfin, vous m'avez compris où je bafouille. Allez, ça vient. Ouf! Ça fait plaisir, un petit coup critique comme ça. 1349 points de dégâts d'un coup dans ta face. Tu l'as pas vu venir, celle-là. Allez, toi. Non. Humain inconscient, vous allez payer cette interruption. Dites, vous avez pas beaucoup de phrases, hein. Oh. Oh. Combien il me reste de cigarettes? Oh, il m'en reste une et c'est tout et j'en ai plus. Ok, bon, on va la garder pour plus tard. Hein. Hop, on va fermer la fenêtre. Voilà. Ça c'est fait. Oh, regardez cette petite âme recluse qui s'est envolée, c'est trop mignon. Ma vie, il faudra que je fasse attention parce que mine de rien, c'est pas compliqué, c'est pas difficile à tuer. Mais un petit peu de vie en moins, plus un petit peu de vie en moins, plus un petit peu de vie en moins, égale bah, beaucoup de vie en moins à la fin. Bah, c'est mathématique, mes amis. Allez. 674. 674 en français. Un petit soin. Ouf, ça c'était du soin critique. J'ai soigné deux fois le montant de ma vie, quasiment. Allez, encore humain inconscient, vous allez payer cette interruption. Et vous savez pas. Oh, un petit raton. Coucou. Oh, c'est mignon. On a envie de leur faire des petits bisous, des petits zoubis, des boobies. Deathwing vient de se connecter. Alors ça c'est Adreus si je ne me plante pas. Et maintenant nous allons faire la bénédiction d'Uther. Allez-y, on va y aller en cheval, hein, ça va aller plus vite. Uther, où es-tu? Je viens me faire bénir. Ah, il y a une pétrolette, bah, j'ai pas eu le temps de la voir. Une motocyclette. Tombeau d'Uther, c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est... Ça, c'est un petit, comment on appellerait ça, un petit descriptif de lieu. Un panneau indicateur. Bonjour, coucou, Fouflet, c'est moi.
Comment il s'appelle? Adreus. Désolé. Bonjour, coucou, Deathwing, alias Adreus. Ah là, la bénédiction, c'est fait. On va aller parler à Monsieur l'Elfe. Je suis trop loin. La paix soit avec vous. Oui, la paix est avec moi. Ishnudal Jeb. Ishnuala. Hop là. Et visiblement, je dois rendre quelque chose ici à côté. Bon, bah ça va, c'est pas bien, bien, bien loin. Je pense que je peux y arriver tout seul et sans me perdre. Y aura-t-il un petit minerai à récolter? Rien du tout, même pas. Oh, cette arnaque. Comment on rentre là-dedans? Ah, voilà. Il faut se faufiler. Et non pas un faux filet. Allez, c'était nul. Je vais sur mon chasseur, je reviens. Ok, pas de soucis, Adreus. Deathwing vient de se déconnecter. Bon, je dois aller où ici? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à part des os qui traînent partout. Ah, voilà. Je ne l'avais pas vu la descente ici. Ah, bah c'est ici. Nickel. C'était pas très loin. On inspecte le tout. On m'a coupé l'herbe sous le pied. Ah. Et je dois récupérer des cuirasses et des épées. Ok. Oh, bah tiens, t'étais pas là, toi, il y a 2 secondes. Ou alors je t'ai pas vu. Oh, bah toi non plus. Bah, oh, bah ils étaient pas là, eux, avant. Vous êtes que des vilains, monsieur, qui s'étaient cachés pour me faire peur. Mais j'ai pas peur, je suis paladin. Je suis défenseur de la veuve et de l'orphelin. Oh, ça rime, c'est malin. Wouhou. On s'éclate jusqu'au bout du petit matin. Bon, il est midi 50, hein, c'est quand même plus que le bout du matin. Salut à tous. Bah, Adreus, y'a que moi dans la guilde à l'être connecté, puisque. Eh bah, coucou tout seul, hein. Ok, ça c'est fait. Bon, bah, moi je vais stopper la vidéo ici, comme ça en pleine action dans cette crypte splendide et très glauque. Bon, j'ai quand même tué celui-là qui est sur mon chemin. Et je m'arrêterai juste après lui. Comme ça, je garde les formats. Bon, c'est un petit peu plus long que 20 minutes, hein. Allez, 22 minutes 40. On a gagné 2 minutes 40 de vidéo. Ouhou, c'est la fête au village. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de rejouer. Ça faisait une semaine quand même. Mine de rien, ça passe vite, mais ça fait plaisir. Allez, un petit j'aime, un commentaire, abonnez-vous. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se dit à très vite. Et puis, pour ceux qui suivent aussi Star Wars The Old Republic, la vidéo arrivera très bientôt. Une fois que celle-ci sera en ligne, ça sera autour de celle de Star Wars The Old Republic. Kiss, kiss, les kissounettes.